demander pardon. Pour être aimé. Pour être aimé. Que tu peux, pour que le gars, le monsieur t'aime. C'est quoi, c'est mariage ou amitié, c'est un peu de tout quoi. Voilà, pour être même aimé, tu veux, non, tu demandes pardon même pour les gens, ah, aimez-moi. Pourtant, on ne t'aime pas. Hey. Mais tu demandes pardon, pourquoi on t'aime? Tu forces le destin. C'est les efforts fournis. Bon, c'est comme si tu parlais à un sourd, mais qui ne t'entend pas. Donc, moi, je crois que... Bon, je laisse les autres parler d'abord. Mais Alima, pourquoi nous laisser parler? L'amour même contrôle, parce qu'on fait... Souvent même là, oui, fois, ta soeur amoureuse, tu lui dis, le gars là n'est pas bien pour toi, elle n'entend pas. Elle n'entend pas, c'est l'amour ça. C'est l'amour. Donc normalement là, on peut demander pardon, parce que l'amour contrôle bon, pas. Bon, si l'amour est réciproque, oui. Non mais là, c'est pas réciproque. Mais est-ce que c'est réciproque? C'est ça le problème. Est-ce que le gars à qui tu demandes pardon de t'aimer, est-ce qu'il t'aime? Mais si on ne t'aime pas là, mon avis, si on ne t'aime pas, c'est mieux de s'aimer soi-même. Adaï,